Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, ben vous voyez, je fertilise à nouveau mon champ. Ce que je craignais n'est pas arrivé. Voilà, le champ n'est pas buggé, il fertilise bien. Je devais juste l'avoir fertilisé soit un peu trop tôt, soit pas dans la mauvaise période. En tout cas, là, ça fonctionne. On se retrouve tout de suite après le générique. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family, credit cards in the scammers, getting no licks in the band, legacies. Allez, voilà, on est parti. Donc, comme je vous le disais, ça fertilise bien. Voilà, pas de soucis. Là, on va être du coup à 100%. Alors, pas partout, parce que je pense que avec l'agrandissement, le champ fonctionne pas à 100%. Mais bon, peu importe, il fonctionne correctement. Je craignais que non dans l'épisode précédent et ce n'est pas du tout le cas. Donc parfait, mon champ est d'ailleurs passé de planté à germer. Est-ce que c'est normal qu'on ne voit rien comme dans les autres champs? Ça, j'ai encore un doute. La suite nous le dira, les prochains jours nous le diront. Mais bon, pour l'instant, il a l'air de changer d'étape si on regarde. Voilà, vous voyez, en cours de croissance, il est bien en cours de croissance, pas de souci. Bon, avec un peu de retard par rapport aux autres, c'est peut-être normal. Là, il fertilise bien. Je pense que les mauvaises herbes, on va pouvoir aussi les traiter. Bon, ma foi, on verra. Est-ce que c'est logique qu'on ne voit rien qui sortent de terre? Ça, je n'en sais absolument rien. Voilà, là j'ai un gros doute quand même. Donc un petit accéléré sur le reste de la fertilisation. Ensuite on pourra aller faucher aussi le champ d'herbe qui est à côté, puisque il est prêt. Voilà, pas de souci. On le fauchera en herbe et on fera des balles d'ensilage. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Bon, il y a des petites bandes qui sont pas faites. C'est pas très grave. On va pas perdre de temps. On va aller ranger ça et puis on va aller faucher notre champ en herbe. C'est derrière ici. Ok. Oh là là. Joli deux roues. C'est toujours aussi lourd. Alors par contre là, on a dit qu'on s'alignait ici et qu'on n'irait pas plus loin. We'll be right back.
essayer de se dépêcher parce que vous avez vu, la pluie est annoncée. Donc, j'ai fait assez rapidement pour faucher, mais là, il faut encore endainer. Et après, il faut encore ramasser avant que la pluie arrive. Elle est prévue pour 15 heures. Donc, on finit cette bande-là. Je vais tout de suite aller chercher l'endaineur. Voilà, il est 11h44, donc on ne va pas les manger. Parce que quand je vois le ciel, je me dis que les prévisions météo, pour une fois, sont justes. Donc allez, on va ranger rapidement notre faucheuse. Allez, on va pas chipoter, on va la mettre à côté, ça va aller plus vite. Et puis, il faut qu'on récupère. Hop là. Bon, bah allez. Non, je me suis trompé de côté. Allez, allez, allez. Ok, allez. On récupère l'endaineur et puis c'est parti. Allez, on a fini en un temps record, on va aller ranger ça, je crois qu'on est pas mal là, il n'est pas encore midi, hop, et on va de suite aller chercher la presse, allez, hop, 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 on va déposer la masse avant. Essayer de se dépêcher, il est midi, donc on devrait être pas mal. Qu'est-ce qu'on a? On n'a rien oublié, non? On est bon. Allez, go! En avant, notre magnifique presse Kuhne qu'on déploie. Et c'est parti!
chercher notre plateau. Après, elles sont protégées. Hein. Du moment qu'elles sont sous plastique comme ça, l'herbe, ça risque pas de pourrir apparemment. Et puis celles-là sont dehors. Et je crois que voilà, il n'y a pas de souci. On va quand même aller les chercher, ça sera fait. Je sais pas si vous avez vu, on va aller la chercher aussi. Il y en a une qui est très loin même, c'est celle-là qui a roulé jusque là-bas. Ah, c'est possible. Donc celle-là elle est venue quand même de l'autre côté, hein. Allez. Donc elle a roulé depuis là-bas. Voilà, je crois que c'est celle qui était ici. Ouais, c'est ça, elle est plus là. Bon, ben voilà, on va terminer sur ce ramassage de balles. Et puis, eh bien, moi je vais continuer tranquillement la journée parce qu'il faut aller s'occuper des animaux maintenant. Hein, même sous la pluie, donc je vous dis à dans un prochain épisode. Portez-vous bien, n'oubliez pas de liker si cette vidéo vous a plu, et puis de laisser un petit message dans les commentaires, voilà, si vous avez des idées ou des conseils. Allez, je vous dis à la prochaine, bye bye.